Je vous le disais tout à l'heure, un espèce, c'est une espèce urbain. Pour pas dire rade, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Mais ça fait partie de ces chants-là. Donc on va vous présenter In the Sanctuary. J'ai pu avoir l'occasion de l'entendre, par exemple, aux États-Unis.
vraiment, on sent que il y a la présence de Dieu qui est derrière ces paroles, qui a un vrai vécu de la part du compositeur. Je vous invite à vous mettre debout pour entendre ce chant.
façon particulière. Vous êtes venu me connaître toute ma vie. Et vous posez la question, qu'est-ce que je peux faire? Et ce soir, j'aimerais simplement pouvoir prier. La prière n'a rien de magique. La prière, c'est simplement utiliser nos voix pour s'adresser à Dieu. Et Dieu répond. Quand Dieu voit quelqu'un qui s'approche de lui, qui fait un pas de foi, alors il meurt. Et ce que j'aimerais simplement, c'est qu'on puisse passer un temps où simplement on puisse prier ensemble. Je vous inviterai à couper vos fronts. Et peut-être que ce soir tu t'es senti concerné particulièrement par tout ce qui a été dit, tout ce qui a été chanté. Et j'aimerais t'inviter à rencontrer Jésus. Pas mal quelque chose de très compliqué. Et la Bible nous parle de la foi. Un pas de foi. L'idée de dire, mais Seigneur, Jésus, je ne sais pas ce qui se passe, mais je voudrais te faire confiance. Je voudrais lever les mains vers toi. Je voudrais faire quelque chose pour saisir cette paix, cette joie, cet amour qui nous est présenté. Et alors que tu as les yeux fermés, simplement dans ton cœur, je t'invite à faire cette prière. Seigneur, Jésus, je veux te rencontrer. Je veux rencontrer cet ami fidèle. Je veux faire la paix avec toi. Tu es celui qui lave le péché. Et j'ai de la valeur à tes yeux. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et alors que vous avez les yeux fermés, je prie. Seigneur, nous te bénissons pour toutes ces paroles extraordinaires. Mais par-dessus tout, ce qui touche notre cœur, c'est l'amour extraordinaire que tu as eu envers nous. Seigneur, c'est si bon de savoir qu'il y a quelqu'un qui nous aime pour qui on a de la valeur. C'est si bon de savoir qu'il y a quelqu'un qui compte sur nous, quelqu'un qui est capable de nous faire confiance. C'est si bon de savoir qu'on peut s'appuyer sur quelqu'un qui est dur comme un rocher. C'est si bon de savoir qu'il y a quelqu'un qui nous aime au point d'aller donner sa vie pour nous. Jésus, tu vois toutes ces personnes qui ce soir ont été touchées et bouleversées d'une façon ou d'une autre. Seigneur, je te prie de les visiter ce soir, de venir à leur rencontre d'une manière simple. Seigneur, merci parce que quand on s'approche de toi, tu effaces nos péchés. Quand on te demande pardon, tu effaces nos péchés. Tu nous donnes un cœur tout blanc de ce cœur taché que nous avions avant. Merci Jésus parce que tu as été jusqu'au bout pour nous. Seigneur, je te prie pour chacune des personnes qui est là. Seigneur, parce que je sais que tu les connais individuellement. Je sais que tu connais leur vie mieux que personne parce que pour toi, elles ont la valeur. Seigneur, ce soir, viens les rencontrer. Viens toucher les cœurs. Seigneur, peut-être les gens sont fatigués, sont lassés, sont malades. Tu es celui qui guérit. Seigneur, je confesse, j'en suis sûr, je n'ai aucun doute là-dessus. Tu es le Jésus qui guérit. Merci Jésus, parce que ta parole est extraordinaire, ton amour est extraordinaire. Il n'y a personne en qui d'autre que j'aimerais me confier, parce que tu es mon tout. Merci Jésus. Amen. Maman, qui est là ce soir.
faut.